Impeccable, impeccable, ça filme de partout, c'est génial. Donc salut à tous les amis, c'est Alex et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on s'ouvre deux Team Box. Yogi, Team Box 2016, donc une série de 239 cartes, si je vous dis pas de bêtises, donc j'en ai déjà ouvert 5, mais j'ai même pas encore complété la moitié de la série. Donc en espérant aujourd'hui choper de bonnes cartes. J'ai tourné une vidéo hier. Hier soir, je tenais une vidéo. Au final, j'ai oublié d'appuyer sur play sur la caméra qui filmait. Donc, du coup, j'ai parlé pendant 10 minutes tout seul. C'était pas mal. Donc, voilà, aujourd'hui, deux Team Box Kaiba. Pas mal d'entre vous l'ont vu sur Facebook que j'avais acheté. J'ai acheté 5 Team Box. Donc, on est parti. On ouvre ça. On se décèle ça. Et on aura 6 packs. Voilà, je commence déjà à arracher de tous les côtés. Bon, je vais faire ça hors cam, sinon c'est la galère. Je mets une demi-heure. Impeccable, c'est décellé. Donc, à mon avis, dans le mois, je vais vous offrir des cartes promo. Les cartes comme Slifer de Dra le Dragon, Obélisque Tourmenteur. Je vais en offrir peut-être 5, 6, 7 à des abonnés pour faire plaisir. Tous les mois, de temps en temps, je fais des petits cadeaux comme ça. Et bah, là, ce mois-ci, ce sera directement des cartes promotionnelles. Sûrement les dieux égyptiens. Ça peut faire plaisir. À des personnes qui peuvent pas se procurer des Team Box. C'est Noël, faut faire plaisir. D'accord, je fais tomber les cartes promo à terre. Hop. Voilà. Et encore 6 paquets. Donc ça, on va mettre ça derrière. Bon, les cartes promo, je vais les ouvrir pour ceux qui savent pas, qui tombent comme ça au hasard sur la vidéo. Je vous fais ça très vite. C'est pas ce qui nous intéresse. Donc Slifer Dragon Céleste, ça c'est ce que je vous ferai gagner. Magicien sombre, grand magicien ébène, DDD, la petite pendule, et la pendule potartiste, le sorcier pendule potartiste à la fin. Donc c'est la même chose dans toutes les cartes promotionnelles des Team Box, c'est la même chose, mais c'est pas ce qui nous intéresse. Nous, ce qu'on veut à tout prix, c'est les boosters pour dire de compléter et de choper des bonnes cartes. Pareil, hein, c'est la même chose, vous voyez. Vous avez toujours le même délire dans les cartes promo. Donc. On a 6 boosters, méga boîte 2016. Je regarde que ça filme bien, je me fais pas avoir deux fois. Ça fait déjà 3 minutes que je filme. Impeccable. Allez, on est parti pour le premier booster. Donc, c'est des boosters de 16 cartes. Avec intérieur, vous avez 4 cartes de niveau de rareté différentes. On est parti. Petit peu d'artiste. Télé Pandore. Dragon de magma. J'essaie de pas spoil. Petit chameau potartiste, veilleur du sanctuaire. Et je l'avais pas celle-là. Pudding putride. C'est quoi ça? C'est quoi cette carte? Ah, c'est un démon. On dirait un flan de délire. Ok. Terra d'Inobrume. Ok, donc le premier niveau de rareté. DDDD, roi de la double aurore. Une carte que j'avais pas. La 143e. Soldat du lustre noir, super soldat, ça c'est génial. Elle est magnifique cette carte, juste magnifique. 3000 d'attaque, 2500 de défense, une petite rituelle. Et je tombe. Non mais lol. Non mais sérieux les gars, je vous jure que je fais pas exprès. C'est la troisième fois que je chope des assauts solennels. C'est quoi ce délire? Ok, bon en fait sur deux team box, je sors trois assauts solennels. Ok, Yogimoto. Je te fais une petite dédicace. Oh le délire, contrat des ténèbres avec le roi Marée. En fait, c'est la carte qui cote le plus cher. Il y a deux cartes qui se valent un petit peu. Mais c'est l'une des cartes. Bah c'est ouais, l'une ou la carte qui cote le plus cher dans les 239 cartes. Donc forcément, ça fait plaisir de tomber dessus directement. En plus, vous n'avez qu'une secrète par booster. Et forcément, ces cartes-là, c'est une secrète. Mais il n'y a pas qu'une secrète dans l'édition. Il y en a beaucoup, une petite dizaine. Donc retomber dessus directement, ça fait plaisir. Allez, deuxième booster. Mais lol. Mais lol. Papillon primitif. Et celle-là, elle n'a pas terminé à me lâcher cet enregistrement. Ils vont pas me croire. Redraptor pigriche aiguisé. Usine fourreur. Lanceur EHS. J'aime pas du tout la carte. Je suis pas du tout fan. Pianissimo. Changement de casting potartiste. On passe aux cartes rares. Argent supplémentaire. Chevalier du commencement. Gaïa, le chevalier implacable attaquant. C'est une très bonne carte aussi.
c'est une très bonne carte. Et derrière, Jarre d'Avarice. Et je vous jure, j'ai cru que c'était un assaut solennel. Ah, le délire. Donc, un petit Jarre d'Avarice qui tombe. J'avais déjà, je trouve cette carte très belle en tout cas. Très belle carte secrète. C'est un kiff, l'illustration, je la trouve stylée. Donc, on se sent tranquillou à l'ouverture. Je prends un petit peu mon temps. Rétraptor, Crâne d'Aigle, Renard Magispectre, Aimant Samouraï Supralourd, Aile Noire et l'âme psychique. Oh là, je me suis trompé avec l'âme psychique. Donc, le troisième booster. Dragon Carapace Mystère. Des variétés. Margrave. Aide d'urgence Potartiste. Ouais. Quasi-continuité. Passe aux cartes rares. Éléphant partout, pot d'artiste. Magicien Xionk, j'avais déjà chopé. Perdez premier tour, ça c'est une carte que ça va la troisième fois que je la chope. Et derrière, je ne connais pas du tout cette carte. Tatsunoko, mais c'est une belle carte, elle est stylée. Belle petite carte. Solo de la chanteuse de la musique. Fille carte pot d'artiste, et je me trompe encore. Renaissance du super soldat. Contrat des ténèbres avec le roi marais. Unité de premier secours. Dragon Buster, épée destructrice. Donc voilà, ça c'est fini pour la première team box. Donc on va s'ouvrir les trois autres boosters de la deuxième. Bon, en tout cas, Yugimoto, pour une fois, tu me donnes un petit peu de chance. Hein. Tu fais pas mieux que Kaiba. Hein. Kaiba, il m'en a sorti deux, mais. Marc Fourreur. Grue Peluchimal. Chien de la mort. Boîte de tour. Dragon Carapace Mystère. Griffon Fantôme. Tu dates. Tu dates, toi, comme carte. Sphère Kuribo. Sympa, je l'avais pas. Tourbillon Jumeau. Diva Fleur, la choriste de la musique. Et derrière, Dragon du Vortex aux yeux impairs. Une très belle secrète aussi que j'avais pas encore chopée. Ah non, je peux pas rougir, ça c'est une très belle secrète. Nickel. La diva de la musique, DDD Tourbillon Slim, DDD Savant, quel père, Samouraï. Ressources humaines, une très belle illustration que j'apprécie beaucoup. Oh, ils t'ont réédité dedans. Oh, je t'avais chopé la blinde de fois, toi. Ah, quoique, si, si, c'est celle-là. Ah, pas sûr, c'était aussi une plateforme pétrolière, un délire comme ça. Je sais plus. Si, je crois qu'ils t'ont réédité. Je sais pas. Pas dire de bêtises, dites-le-moi dans les commentaires si c'est une réédition, mais je pense que oui. Cinquième booster. Force du Raptor, ma chère en plus. Ok. Hop, je me suis encore trompé. Gorille Tambour Potartiste. Ok, Mouton Peluchimal. Grue Peluchimal, Red Raptor retour, Magicien Trapèze que j'avais pas, la carte numéro 81, une petite Xyz, Fusion Brillante, Soldat Lustre Noir, Super Soldat, deuxième fois, Magnifique Extrasion, le partir aussi, Décision Douloureuse que j'avais déjà chopé. Bon, c'est pas ouf, mais ça se prend, mais c'est pas ouf. Robot Bureau 006, Renaissance du Super Soldat, Blanchiment de contrat, unité de premier secours, samouraï supralourd, rouée d'inobru. Ok. Dernier booster. Genre, y a pas beaucoup des gens. Je suis à fond dans les cartes là. Ah, c'est un kiff de s'ouvrir ça. Il est 3h du matin. Je m'ouvre deux team box. On se fait plaisir. Aide d'urgence potartiste. Des variétés. Barrière de bulle. Changement de casting potartiste. Écuyer. Redator Pigriche, Imatrice. Conscription de fusion. On voit la tête là. Débarre. Numéro S39, premier utopie que j'ai déjà chopé deux fois. Trois fois. Trois fois dans les team box. Templier. Ok. Et le dragon synchro aux éclairs. Ouais, c'est sympa. Je l'avais chopé aussi. Mais ça reste une belle secrète, franchement. Donc voilà. Sérum Samouraï Supralourd, Aile Noire. Mission de capture.
Je connais pas ça, je vais la lire, après je la mets de côté parce que elle me dit rien du tout cette carte piège. Seraptor Dinobrume, Apocryphe interdit, Redraptor Vautour sauvage. Donc voilà, on sait quand même. Bon, on va se regarder un petit peu tout ce qu'on a eu de beau. C'est pas. Ouais, ça va. C'est sympa. Si, je peux pas me plaindre avec. Avec l'assaut solennel en plus, pour deux team box. C'est vraiment sympa. Dragon Vortex aux yeux impairs que j'avais pas. Divafleur, ok. Sphère Kuribo. Père du premier tour, magicien. Ouais, Nagaya aussi, sympa. L'assaut solennel. Pour la troisième fois, soldat, ok. Ouais. Et le Terra Dinobrume. Donc voilà, j'espère que bah, cette petite ouverture bah, vous a fait plaisir. Il me reste. Hop, si je tombe pas. Il me reste ça. Demain, on s'ouvre deux Kaiba. Kaiba, ça va pas rigoler. Il va montrer à Yugi ce qu'il y a dans les boosters, lui. Carrément. Donc demain, on s'ouvre ça. Et voilà, tout simplement. Sur ce, bah, je vous laisse. On se dit à demain pour une prochaine ouverture. Salut, salut.